Bonjour les amis, toujours à Cozumel, sur un site archéologique maya, vieux d'un millier d'années. Et là, je suis en train de parcourir un sentier, vous voyez derrière moi, un sentier qui est assez récent et qui permet aux touristes de se balader beaucoup plus confortablement sur les routes. Alors qu'en marge de ce sentier, c'est assez intéressant, je trouve ça très métaphorique, il y a l'ancien sentier maya qui lui, en revanche, va tout droit, mais est beaucoup plus endommagé et plus compliqué à parcourir. Et donc vous voyez que ce sentier-là, comparé à celui-ci, allez, je vous y amène, comparé à celui-ci, c'est un monde de différence. Et parfois, dans la vie ressemble un petit peu à ça, c'est que on se complique la vie. On choisit de choisir le chemin, on choisit de choisir, c'est bien, mais c'est vrai ça, on choisit de choisir le chemin le plus compliqué, alors que non loin de là, on peut se permettre d'emprunter un chemin beaucoup plus simple. Parfois, on pense qu'on doit souffrir pour arriver à des résultats, alors que ce n'est pas vraiment indispensable. Parfois, de vieilles croyances ou de vieilles images, de vieilles éducations nous font croire que nous devons emprunter ce chemin-là, alors que nous pouvons emprunter celui-ci. Et quand je vous dis « simplifiez-vous la vie et soyez heureux », eh bien, c'est un petit peu cette métaphore. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie, choisissez le chemin le plus simple, même si, vous voyez, ça arrive à la même destination. Évitez de prendre celui-ci. Vous verrez, c'est beaucoup plus agréable. Soyez heureux. Ciao.